Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose un DIY relooking de meubles. Donc j'ai toujours aimé ces meubles un peu industriels, ateliers, à casier. Donc n'ayant pas trouvé la pépite ou n'ayant pas le budget également, hein, je me suis dit pourquoi pas faire un petit DIY relooking de meubles. C'est parti! Alors la première étape de ce relooking va être de peindre tous les éléments. Donc moi j'ai pris de la peinture du Luxe Valentine, couleur Eucalyptus. Donc vous allez devoir peindre les côtés de la commode et ainsi que les trois façades de tiroirs et la petite plinthe en fait de finition de la commode. Donc dès que la peinture est terminée, donc maintenant on va passer au tiroir, donc à la division tiroir. Donc j'ai eu l'idée en fait d'utiliser les tasseaux tout simplement. Donc voilà, donc il a fallu découper les tasseaux à bonne dimension pour faire une illusion. Donc par tiroir, on aura l'impression qu'il y a trois tiroirs. Et donc voilà, donc en fait je les dispose pour voir si tout est ok. Et dès que c'est bon, je mets des petits clous et voilà, je cloue les tiroirs. Je mets à chaque fois deux clous à chaque extrémité. Donc ensuite, quand j'ai terminé tout ça, donc je m'attaque aux tasseaux et je peins tous les tasseaux donc de la même couleur que les tiroirs et les côtés. Ensuite, je vais venir vernir le plateau du haut. Donc j'ai choisi un vernis chêne. Chêne moyen, donc ce vernis là sincèrement je l'utilise assez souvent et il est vraiment vraiment chouette. Donc dès que j'ai terminé de peindre mes étiquettes et mes porte-étiquettes, je les fixe sur ma commode et je mets mes petites feuilles de canson que j'ai découpées juste avant. Et voilà, donc le meuble est terminé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc je trouve que le résultat est plutôt sympa. Et quand on pense que c'est une commode Ikea. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou me poser des questions ainsi... Vous avez des questions, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!